Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Si vous pensez que les choses mystiques n'existent pas, vous serez surpris par ce que nous allons découvrir ici. Un homme va nous expliquer comment le nom de Jésus l'a sauvé des sorciers. Sérieux? C'est un truc hors du commun. Écoutons ça. Mon expérience se passe le 31 décembre dernier. Alors 2 semaines avant cette date, 2 semaines avant le 31, je suis contacté par mon pasteur via WhatsApp. Il m'envoie un audio et dans son message, il me fait comprendre qu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare contre moi. Et qu'il ne veut pas que le bonheur que je vis actuellement ou la joie que je vis actuellement se transforme en malheur, se transforme en larmes. Qu'il faudrait que j'assiste au programme qui se tient à l'église et que je devrais passer le réveillon à l'église. Bon, moi, je prends pas trop en considération ces propos, malheureusement. Malheureusement, je me laisse distraire. Je me laisse distraire. Et le 31 décembre arrive. 20 heures passées, je suis à la maison, je suis seul, je m'ennuie. Alors, deux voix chuchotent en moi. Une, va à l'église, il n'est pas trop tard. Vaut mieux tard que jamais. Et une autre voix me dit, non, appelle tes amis, vous allez faire la fête, c'est quand même le 31 décembre. Voilà. Malheureusement, j'écoute la voix qui me dit d'appeler les amis et faire la fête. C'est comme ça que je contacte un ami qui habite dans un quartier voisin. Juste pour dire que lui et moi, on n'est pas dans le même quartier. Il est dans un quartier voisin où j'ai d'ailleurs grandi, où j'ai aussi de la famille. Parce que là-bas, j'ai construit ce terrain familial et je suis parti de là il y a environ. Il y a environ 2 mois. Et d'ailleurs, c'est là-bas où j'ai fait connaissance avec cet ami-là. Donc, je l'appelle. Arrivé au quartier en question, il me retrouve. On va dans un bistrot. On partage 2 bières. Parce qu'on se dit que, voilà, il fait 22 heures. Faudrait pas qu'on soit bourré avant minuit. On doit être lucide. On doit voir minuit. On doit crier bonne année étant lucide. On doit se souhaiter meilleurs vœux étant lucide. Donc, on gère les 2 bières. Minuit arrive. Voilà. Minuit passé, je propose à l'ami de m'accompagner au terrain familial. Souhaiter meilleurs vœux à tout le monde. Il m'accompagne quand même. C'est mon quartier. Hein. C'est mon quartier. J'ai grandi là. Donc, voilà. Je connais beaucoup de monde. Donc, il m'accompagne. Arrivé au terrain familial, tout le monde n'était pas là, à part les locataires. La famille, tout le monde était à l'église. Il n'était pas encore de retour. On est à 1 h du matin par là. Et je perds un peu du temps là. J'écoute quelqu'un m'appeler. C'est un des locataires avec qui je me suis familiarisé là au terrain, lorsque je vivais là au terrain familial, qui m'appelle et l'ami à côté me fait comprendre qu'il ne faut pas qu'il soit là, il faut pas qu'il vienne ici, il faut pas qu'on soit avec lui, c'est pas quelqu'un de bien et tout, 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 il est mauvais. Je dis, mais il m'a déjà vu, est-ce que je peux encore le repousser. Et au fond de moi, je me dis quand même, mais moi, je le sais comme quelqu'un de bien, et puis c'est moi qui offre dans la, qui offre, qui sort l'argent. Tu n'as pas à me dire ce qu'il faut faire. Donc, l'ami, le locataire nous rejoint. Nous sommes à trois, là, au terrain. On papote un peu. On aborde tous les sujets. Alors,
en abordant tous les sujets. On aborde le côté religieux. Voilà, moi je donne ma position, que moi j'aime pas le mal, je combats le mal. Vraiment, je me prononce en guerrier de l'Éternel. Mais je ne sais pas qu'en disant ça, je mettais à défi le diable. Je mettais à défi le diable. Et j'ignorais réellement avec qui j'étais. Et après papoter, je constate que la famille ne vient pas. Bon, je me dis, c'est la nuit aussi. Bon, les gars, allons-y, on repart au bistrot. Je vous assure qu'en repartant, les choses n'étaient plus les mêmes parce que je n'y ressentais plus, je n'avais plus le contrôle de moi. En chemin, je parlais de tout et de. Je parlais des choses, mais je. Ça n'émanait pas de moi. C'est comme si c'était mon esprit qui parlait, qui parlait, qui parlait, qui parlait, qui parlait. Je ne sais plus. En fait, la seule chose que je retiens, c'est que je disais, moi je suis sur terre pour faire le bien, je ne m'associe pas au mal, je combats le mal. C'est ce que je disais. Et les deux amis à côté étaient calmes. L'ami que j'ai appelé le locataire était très calme, il ne disait rien. On est arrivé au bistrot, je passais la commande, la gérante nous a servi trois bières, elle a ouvert les bières, elle est partie. On était là assis, je vous assure que une minute après, j'ai ressenti mon corps, j'ai ressenti mon esprit sortir de mon corps, ma tête, je ne sais pas, j'ai vu comme un autre monde qui s'ouvrait à moi, une autre dimension, une des présences. Vraiment, je vous assure que sur le coup, j'ai ressenti cette décharge-là et toutes ces choses-là. Je commençais à la phrase que j'ai eu à dire, Seigneur Jésus, protège-moi. Je vous assure que j'ai prononcé cette toile durant environ 45 minutes. 45 minutes. Jésus, protège-moi. Seigneur Jésus, protège-moi. Seigneur Jésus, protège-moi. Seigneur Jésus, protège-moi. C'était cette phrase que je prononçais. Et en prononçant cette phrase, je vous assure que Jésus-Christ existe. Jésus-Christ est réel. Il est réel. On ignore ce qui se passe dans l'invisible. Combien de fois la main de l'Éternel nous protège tous les jours de nos vies, pendant notre sommeil, pendant nos activités. Combien de fois la main de l'Éternel veille sur nous. Ne négligeons pas la prière. Donc j'étais en train de prier, Seigneur, protège-moi, protège-moi, protège-moi. Mais je vous assure que j'étais déjà loin, loin, loin. Et j'ai un esprit fort. Donc, je luttais contre tout ce que je voyais. Je résistais, je vous assure. C'est un combat dans la prière. Ça, c'est quoi, Seigneur Jésus? Et mes deux amis étaient, le locataire et l'ami que j'ai appelé étaient sereins, très sereins. Et c'est comme ça, l'ami parle avec le locataire que ben, l'esprit qui nous a suivis là, l'esprit là, l'esprit là est là et tout. Ah, j'ai dit, mais le gars là parle de quoi comme ça? Mais je suis en train de lutter dans la prière, je suis en train de lutter. C'est comme ça, un moment j'ai dit, non, bon, on parle ici. Mais on n'a rien vu, j'ai dit, on part. Je ne peux plus rester là, on part. J'ai déposé l'argent sur la table. On a commencé à marcher. Je n'ai ressenti plus mes pieds. Je n'ai ressenti plus mon corps. Le quartier dans lequel on était, où on marchait là, c'était le même quartier, mais ce n'était pas aussi le même cas. Parce que c'est comme si on était dans le futur, mais c'est comme si on était dans une autre dimension. Et l'ami me disait, où on marche là? Là-bas, regarde, il y a les gens qui sont en train de te regarder. Ils savent. Je dis, ils savent quoi? Donc, je marchais, je marchais, je marchais. Maintenant, je réalise que, mais attends, le quartier là, c'est mon quartier.
Je suis une identité remarquable. Je suis populaire, je connais presque tout le monde. On fait que marcher, les maquis là, je ne sais pas, mais tous les maquis, je vois le monde, mais il n'y a même pas un seul visage que je reconnais parmi tout ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Et plus on marchait, plus ça sentait le cadavre. Plus on marchait, ça sentait le cadavre. Et à un moment, je dis, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui me dit, mais attends, si je te regarde, tu ne connais personne. Et plus j'avance, ça sent le pourri, ne continue plus. Je décide, bon, les gars, moi, je ne pars plus. On part où là? Je ne sais plus. Ça, c'est quoi? L'ami parle au locataire, il me dit, non, tu ne peux pas dire ça. On doit aller à un endroit où on doit bien parler et tout. J'ai dit non, moi je ne peux pas continuer là-bas, je ne peux pas continuer là-bas, je dois faire demi-tour, je ne peux pas continuer là-bas. L'ami s'est fâché, non, et tout, pourquoi tu fais ça? Non, on ne peut plus repartir là-bas, on ne peut plus repartir là-bas. On doit continuer, allons, on doit aller parler à un endroit, on ne peut plus continuer là-bas. J'ai dit non, l'Esprit de Dieu me dit, tu dois repartir au bistrot. T'assois là où tu étais assis. Et je reçois encore une autre révélation, une autre orientation de l'Esprit de Dieu. En repartant là où tu es venu, tu dois repasser textuellement par où tu es venu. Si tu as craché, tu recraches à l'endroit où tu as craché. Si tu as pissé, tu pisses à nouveau à l'endroit où tu as pissé. C'est comme ça. Je vous assure, c'est dans cette dimension que j'ai pensé à la géométrie. Le monde spirituel, c'est comme la science. C'est une science et c'est une vérité. C'est de la mathématique et je ne sais pas quoi. Mais il fallait que j'applique. J'applique ces codes-là. J'applique cela. Et j'ai appliqué, 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 appliqué. Mais en repartant, c'était pas facile parce que je voyais tellement de choses, des gens courir derrière les maisons, des gens, des gens derrière les maisons. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Bon, moi, c'était plus étonnant pour moi, vu ce que j'avais déjà vu, ce que je. En fait, je me disais, bon, ah, j'avais juste mon cœur pour supporter, parce que mes yeux étaient fatigués de voir, mais il fallait le cœur pour supporter tout ça. On arrive au bistrot, mais bien avant, le locataire m'a donné des orientations. Et je tiens à passer ce conseil que dans ce monde, faites du bien autour de vous parce que vous ne savez pas qui pourra vous sauver demain. Je n'épargne pas mon locataire dans cette affaire parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui certainement aussi est un sorcier parce que si il était aussi présent dans ce bal-là, ce bal de sorcier, c'est parce que lui-même aussi il a atteint un certain niveau. Mais sur le plan réel, le plan physique, le plan social, moi j'étais toujours bien avec lui, je lui rendais des services. Et voilà, dans l'ignorance. Donc, de là-bas, j'ai prié et je vous assure que en repartant, j'ai également demandé pardon, pardon aux deux. Que si peut-être entre vous j'ai eu à faire du mal à quelqu'un, je demande pardon, pardon. Si entre vous j'ai eu à faire du mal à quelqu'un aujourd'hui ou avant cette date, je m'excuse. Donc je continue à prier, 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 prier. Et j'ai demandé à Dieu de toucher leur cœur d'une personne entre eux. Et voilà. Et c'est comme ça le locataire m'a orienté, il m'a dit on va repartir au bar, mais tout ce que tu vas voir au bar, tu dois rester tranquille. Tout ce qui va se passer, ne crie pas, ne fais rien, ne réagis pas, regarde seulement et supporte. On est reparti en arrivant. Je vous assure que
Le bar en question était rempli des gens, des... Je vous assure que le monde de la nuit, c'est autre chose. Était rempli des gens bizarres, bizarres. Et arrivé, je m'assois. C'est une femme revenante, je dis bien revenante, je sais de quoi je parle, ce que je voyais, qui me tend deux bières, que tiens. Mais j'avais déjà écouté les orientations du locataire qui m'a dit, ne fais rien, regarde ces mains avec les yeux, ne dis rien, reste calme. Et après, le locataire me parle, il me dit, mon ami, mon frère, dans ce monde, il y a des choses qui se passent. Le monde n'est pas ce que tu vois là. Le monde n'est pas le monde que tu avais l'habitude de voir là. Aujourd'hui, tu apprends une leçon. Tu reviens. Ton esprit va revenir. Plus le jour va revenir, ton esprit va revenir. Et après, c'est l'ami. Mon ami là, que j'ai appelé, que j'appelle ami, que j'ai appelé, qui me dit, mon frère, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Si tu as été épargné là, c'est à cause de ton bon cœur. Si c'était pas ça, je pense que ça n'allait pas aller pour toi. C'est ton bon cœur. Parce que là-bas, je pouvais voir l'amour que tu as pour les gens. C'est ton bon cœur qui te sauve. Après, le locataire prend la parole. Que ne sous-estime pas les gens. Moi, tu me voyais. Je loue chez toi. Tu me voyais. Mais est-ce que tu pouvais imaginer la dimension que j'ai? Mais Dieu merci, moi tu m'as fait du bien un jour et j'ai jamais oublié ce bien. Tu m'aidais et c'est ce qui a fait en sorte que je t'oriente à sortir de cette situation. Mais sois tranquille, le matin va arriver. Quand plus le jour va arriver, on ne bouge pas de là. Plus le jour va arriver, plus tu vas regagner ton esprit. Et certainement, certaines conversations, parce qu'ils avaient tellement parlé, avant même de déduire, là, conclure comme ça, ils ont la beau discuter entre eux. Mon locataire, là, a parlé avec mon ami que si tu n'es pas sérieux, l'autre t'appelle, tu veux lui faire des choses. Et après cette discussion-là, il y avait des esprits qui sont venus autour de moi, les gens bizarres qui avaient des couteaux, des. Oh, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Comme pour dire à ces esprits, pour présenter leur mécontentement envers mon locataire qui m'a orienté, qui m'a sorti de cette situation. Parce qu'il m'a donné des orientations et des codes pour regagner mon esprit progressivement. Donc, il y avait tellement de tapage, il y avait des gens, ils viennent, ils me regardent, ils me fixent. Je voyais tellement de choses, même ceux qui faisaient la braise à côté. Non, je vous assure que le monde du dehors, même la nourriture qu'on vend dehors, les bars. Oh, mais faisons attention. Le monde dans lequel on vit, il y a un autre monde dans ce monde. Et j'ai appris. Tout ce qu'on voit là, il y a une face cachée. Faisons attention dans nos choix. Faisons attention dans nos fréquentations. Celui qu'on appelle ami, là, est-ce que réellement c'est ton ami? Parce qu'il t'a présenté un sourire, tu l'appelles ami. Fais très attention à ça. Faisons attention. Et la date du 31 décembre, c'est une date où on doit l'observer à l'église pour remercier Dieu pour les 365 jours. Si je serais allé à l'église, je pense que j'allais pas vivre cette expérience. Mais dans tout, c'est que j'ai appris. Et je pense que l'erreur que j'ai eu à faire, je ne vais plus la répéter. Et que Dieu soit loué pour tout ça. Pour tout ça. C'est tout. Wow. Ah. 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 Il a dit quelque chose. Il a dit que il y a un autre monde dans notre monde. Ne pensez pas que les choses soient simples comme
ce que vous voyez. En effet, faites très attention. Priez avant de dormir, priez avant de sortir. Dites-le-moi, Seigneur Jésus-Christ, protège-moi, garde-moi et fais mon combat. Amen. C'est tout ce que vous devez faire. Chaque jour, tous les jours de votre vie, parce que vous ne savez pas les pièges et le plan que Dieu vous tente des fois. Amen.